Bonjour, donc je suis Carole Donnet, déléguée régionale du refuge des Hauts-de-France. Pourquoi je me suis engagée au refuge? C'était suite à un reportage que j'avais vu à la télévision qui m'avait profondément marqué parce que je voyais ces jeunes qui étaient rejetés par leur famille, victimes d'homophobie et de transphobie. Alors le refuge existe depuis 17 ans maintenant. Nous accueillons en fait des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, souvent brisés par la vie parce qu'en fait ils ont été rejetés par leur famille. Le refuge les aide à se reconstruire psychologiquement parce que nous avons la chance d'avoir des psychologues et des thérapeutes et surtout en fait de se reconstruire dans la vie tous les jours, de leur trouver une formation, un travail et au bout de ce chemin surtout un appartement afin qu'ils puissent vivre leur vie tout simplement. Suite à la crise sanitaire de cette année, ça a été extrêmement difficile pour le refuge, puisque le refuge vit avec des dons privés à 80%. Donc plus que jamais, le refuge et surtout les jeunes ont besoin des dons. Nous allons organiser des collectes prochainement afin que les jeunes puissent avoir donc de la nourriture, des vêtements, simplement des brosses à dents. Dans plusieurs magasins sur l'île, nous allons faire des collectes. Et puis surtout, plus que jamais, on a besoin de dons. Chaque petit don, même 1 euro, 2 euros, c'est extrêmement important pour le refuge et surtout pour aider ces jeunes plus que jamais. Alors pourquoi être bénévole au refuge aujourd'hui? Tout simplement pour combattre déjà cette discrimination, donc qui est l'homophobie. Et puis surtout, vous allez rentrer dans une grande famille, vous allez pouvoir aider ces jeunes, peut-être par rapport à des cours, simplement des cours de français, des cours de maths, créer en fait aussi des ateliers. Donc je vous donne rendez-vous. Plus que jamais, le refuge vous attend, donc n'hésitez pas à nous écrire via les réseaux sociaux, via l'adresse mail qui sera notée. On vous attend pour une très très belle aventure qu'est le refuge.